Alors, un de nos plus grands écrivains français est venu ici, dans les villes, se balader. En réalité, il cherchait l'inspiration pour pouvoir réaliser la préface au recueil d'aquarelles qu'une de ses amies voulait faire éditer. Notez que toutes les aquarelles ont pour sujet le bassin d'Arcachon. Lorsqu'il est arrivé ici, il s'est arrêté. Il s'est dit, mais il y a tout. Alors il a pris son calepin, son crayon, il a pris des notes. Et une fois arrivé chez lui, voilà ce qu'il nous a composé. Alors on va lire le sujet, la géographie, l'histoire. Alors l'histoire, c'est celle qui nous fait les paysages. La géographie, c'est elle qui nous fait les paysages. Et le titre, c'est une histoire pour une fois digne de la géographie. La géographie avait bien travaillé avec trois fois rien. Lorsqu'enfant, garçon ou fille, à la maison, pour passer le temps, avait des crayons de couleur, inventait des paysages. On a tous fait enfant inventer des paysages avec des crayons de couleur, juste pour passer le temps. Comme bambin, on dessine, c'est-à-dire sans aucune contrainte, juste celle des limites de la pensée. Seulement pour se faire plaisir et créer des couleurs. Maman, maman, viens voir le beau dessin que j'ai fait. Oh, que c'est beau, mon petit, que tu es comme ça, je te serai grand. Ça allait être tranquille, fais-moi plaire. Et un jour, mais alors bien plus tard, devenu adulte, ce garçon ou cette fille arrive ici par hasard pour la première fois et découvre là le reflet réel de l'image fidèle à leurs souvenirs de création d'enfance. Alors ils sont restés longuement médusés à regarder, contempler, scotchés, n'en croyant pas leurs yeux. Puis ils sont entrés. Alors certains n'ont fait que passer, ils ont contourné, mais d'autres, beaucoup d'autres sont restés et ils ont décidé tous ensemble de ne rien modifier. Alors à notre tour, alors rentrons et surtout ne touchons à rien de ce miracle de la nature. C'est de M. Éric Porcelard de l'Académie française. Après on va, mais là non, on n'a pas de temps parce que là les Perrets ont explosé, ils ont condamné le tour Taïgan, c'est à l'escalier. Alors ce qui fait qu'on a besoin de revenir sur le port. Voilà l'histoire. Et là, le port de Machin avec le paysage. Chaque fois, je dis ouais, bravo. C'est bien.